Salut les amis, bienvenue sur MatCD. Je vous fais un petit teaser très rapide pour le tournoi du Big Games 2. Je sais que j'en ai déjà parlé rapidement. Je devais faire un teaser en bonne et due forme avec quelques infos. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire maintenant. On approche du tournoi gentiment, on est à un peu plus de 2 mois du délai. On a déjà beaucoup de monde de préinscrits. Et donc j'ai déjà quelques petites infos à vous donner. Pour l'instant, on a 13 ou 14 équipes annoncées sur 16 possibles. On aimerait bien trouver encore 2 équipes pour remplir ce tournoi. Donc le message que j'ai à faire passer, c'est si vous avez une équipe à monter, que vous n'avez pas encore entendu parler du tournoi, n'hésitez pas à nous contacter, venez, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. L'année passée, c'était vraiment un tournoi super sympa. Je vous invite de nouveau à regarder mon rapport de tournoi que j'ai fait l'année passée. J'ai mis pas mal de photos et tout, ça vous donnera une bonne occasion de voir un petit peu à quoi ressemblait le tournoi l'année passée et à quoi vous attendre cette année. Donc tournoi sur 2 jours, 5 parties, ça sera une inscription comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire en all inclusive. Donc vous payez un forfait d'entrée et puis derrière vous avez... En tout cas, ce qui est des repas all inclusive et puis vos consommations perso, ben on fait sous forme d'ardoise. Donc vous notez ce que vous voulez, il y a des gens qui vont passer autour des tables avec des boissons, etc. Vous êtes servi directement à table, vous dites ce que vous avez et à la fin vous réglez votre ardoise pour ce qui est des consommations durant la partie. Donc ce que je voulais dire avec le all inclusive, c'est bien sûr pendant les repas, voilà, vous avez le repas complet qui est fourni, donc souvent avec salade ou il y a un petit quelque chose aussi à côté. Donc de ce côté-là, pas de souci à vous faire, vous aurez assez à manger aussi, assez à boire. Le tout proposé à des prix très corrects pour ce qui est de la buvette. Comme je vous l'ai dit, l'avantage qu'on vous sert à table, donc pas besoin de prendre de pause durant vos games. Tournoi par équipe de 4, ça veut aussi dire que si vous êtes seul ou vous êtes deux, bah, contactez-moi, on peut peut-être vous mettre ensemble et faire une équipe. On a déjà fait un petit peu de patchwork pour certaines teams, tout à fait possible. Donc n'hésitez surtout pas si c'est ce qui vous retient à vous inscrire. Franchement, n'hésitez pas. Possibilité de dormir dans la salle. Contactez-moi si vous souhaitez venir même le vendredi soir. Là, je sais que l'année passée, je crois qu'on avait rendu ça possible. Donc contactez-moi si c'est possible de le faire, on va le faire. Je sais que pour certaines personnes qui viennent de loin, des fois, c'est peut-être un avantage. Dimanche soir, on risque de terminer aux alentours de 5 h. J'ai pas encore les horaires définitifs des 2 jours, mais un règlement définitif va sortir prochainement. Si vous voulez avoir une petite idée, de nouveau, je vous renvoie vers la page T3 du Big Games 1 l'année passée. Regardez un petit peu ce qui était publié là, le règlement sera très similaire. Au niveau des règles, pour l'instant, on n'a toujours pas de V2 annoncé, on n'a pas de mouvement. Personnellement, je m'attends pas à grand-chose d'ici à la fin de l'année. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Probablement qu'on va rester sur ces règles-là. On va encore attendre un tout petit peu. Et puis si ça ne bouge pas, on restera donc sur ces règles-là. On figera les règles afin que les gens puissent commencer. D'une part, effectuer les versements et puis aussi nous envoyer les listes qu'on ait le temps aussi de valider. Je vous ai mis le lien du tournoi sur Tabletop, vous le trouvez très facilement en tapant Big Games 2, c'est bien sûr, faut choisir le filtre et aller sur le pays suisse pour voir le tournoi apparaître. Voilà, j'espère que vous allez venir très nombreux à ce tournoi, je remercie déjà tous les gens qui sont annoncés et des équipes qui viennent de loin, ça fait vraiment plaisir de les avoir, l'année passée c'était déjà le cas, cette année on retrouve des équipes qui viennent de loin, donc ça fait super plaisir, merci à vous pour le support, parce que, ben voilà, comme je le dis souvent, 9e Âge c'est aussi un jeu qui, entre guillemets, ne survit que par notre activité à tous, c'est-à-dire que si l'on ne fait pas vivre certains tournois à l'étranger en nous déplaçant, ils auront du mal à fonctionner, et vice-versa, et ben, si des gens viennent pas faire le tournoi en Suisse, ces équipes, jamais on les remplit avec le format suisse, je veux dire, au grand maximum, on fait peut-être la moitié, et encore, je suis loin d'être sûr qu'on trouve 8 équipes suisses, donc merci à toutes les équipes françaises, voire même belges, je crois pas qu'on a des équipes belges annoncées, mais... En tout cas, les équipes françaises qui font le déplacement, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. J'essaie moi aussi de jouer le jeu et de venir pas mal faire de tournois en France. J'étais aussi en Allemagne le week-end passé, donc voilà. Je pense que c'est à nous tous de faire vivre la communauté et c'est comme ça qu'on arrive à porter certains tournois de l'avant. Puis on espère que ce Big Games, comme je l'ai dit l'année passée, s'inscrive dans la durée et devienne vraiment un des tournois référence de la fin d'année. Donc cette année, on a trouvé plutôt début décembre. L'année passée, on était un peu plus tôt. On vous regarde un petit peu ce qui joue comme slot, mais d'avoir un bon tournoi, un gros tournoi en fin d'année, alors qu'il n'y a pas grand chose au calendrier, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, j'espère vous avoir. Merci d'avoir suivi ce petit teaser. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux rapports de bataille.